Bonjour tout le monde, c'est Maddy. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous fais une vidéo en ce dimanche 17 septembre en soutien à Indigo Tarot, dont j'ai visionné la dernière vidéo après finalement avoir fait la mienne qui est sur la puce. Et dans la vidéo d'Indigo, elle est très affectée parce que il y a eu encore des messages de haters sur sa chaîne. Je comprends pas pourquoi les gens viennent pour poster des commentaires désagréables. Enfin, bon, on peut ne pas être d'accord, hein. Tout le monde a le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on dit ou ce qu'on voit quand on sort les cartes. C'est tout à fait naturel. Mais dans ces cas-là, vous dites rien et puis vous partez, quoi. Moi, il y a plein de vidéos de personnes que je regarde. Bon, je suis pas d'accord, mais je vais pas aller poster un commentaire désagréable. Dans ces cas-là, je pars. Voilà. Donc les gens qui postent des méchancetés, je pense que ce sont des gens qui ont des problèmes. On peut faire un petit tirage en ce sens. Mais déjà, je voulais vous dire, si vous avez quelques minutes, ce serait bien si vous alliez poster un petit message de soutien à Indigo, hein, sur sa communauté, ou dans sous ses vidéos plutôt. Non, sa communauté, vous ne pourrez pas poster, mais dans sous ses vidéos, par exemple. Ou même de façon privée, puisqu'il y a son mail que vous pouvez voir sous ces vidéos, pour lui remonter un peu le moral. Hein. Vous savez, la voyance, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie. Pour faire une vidéo, faut faire le générique, faut faire des coupures de temps en temps, parce que ça nous arrive de tousser, par exemple, ou de fourcher sur un mot. Enfin, moi, ça m'arrive souvent, en tout cas. Donc, on fait des coupures, on remet ensemble, on vérifie le son, on cherche les images, on cherche de la documentation, parfois. Voilà, donc c'est long, hein, faut bien une bonne heure. Enfin, moi, en tout cas, moi, j'ai passé 1 heure, je suppose que Indigo aussi. Parfois, c'est trop long, donc enfin, bref. Vous voyez que c'est un vrai travail, sans parler du fait qu'il faut prendre le temps de faire les cartes, de se poser, de poser la question. Et c'est très, très fatigant. Alors, on le fait, évidemment, parce que, oui, la chaîne, ça rapporte un petit peu, mais ça rapporte pas non plus 1 000 euros par mois, quoi. Faut dire la vérité, hein. Donc ça rapporte un petit plus, quoi. C'est toujours important, mais c'est pas ça qui nous fait vivre. Donc on le fait aussi quand même aussi beaucoup pour vous, hein. Donc voilà. Donc c'est un petit blabla simplement pour vous dire, allez soutenir un petit peu Indigo. Ça lui fera plaisir, ça va lui remonter le moral. Et puis on va regarder un peu, tiens, justement, les haters, pourquoi est-ce qu'ils ont posté des commentaires désagréables. Donc on va prendre justement le jeu du subconscient, le bien nommé. Alors, prison et manège. Bon, c'est des gens quelque part qui sont dans une prison mentale et ils s'en échappent en s'amusant comme ça, en faisant du mal, hein, vous voyez. Le manège, c'est aussi des gens qui tournent en rond de leur prison mentale, on peut dire ça comme ça. Bon. Donc des gens qui sont pas clairs, quoi. Alors, pourquoi les haters? Alors, par rapport à Indigo ou en général, hein, moi j'en ai aussi, mais j'avoue que j'en ai moins. Puis moi je m'embête pas, j'avoue que je les lis, je les vis, hein, donc je suis plus radicale peut-être. Qu'est-ce que je vous dis ça. Mais Indigo, elle est trop gentille, quoi. Elle lit tout et comme elle est super super sensible, elle prend tout à cœur. Mais il faut pas en fait, hein. Bon, alors j'ai le vent, la ville, le vent et l'escargot. On retrouve un peu les trucs qui tournent en rond, les gens qui font du vent. Dans les villes, donc les gens aussi qui sont dans des villes, hein. Alors peut-être que ça les affecte, hein, à les savoir. En tout cas, des gens qui sont plutôt dans des villes, qui brassent beaucoup d'air et puis qui n'avancent pas dans leur vie, on peut dire ça comme ça, hein. En tout cas, qui tournent en rond. Alors, pourquoi les haters? Oups. La clé, ok. Encore le manège. Ouais, bon, donc ils s'amusent, quoi. Pour eux, c'est une façon de s'amuser, hein. Voyez le renard. Donc, c'est des gens aussi qui aiment tromper. La vache sacrée. Ok. Et les vautours. Bon, qui s'attaquent aussi un petit peu à tout ce qui est. Alors, la vache sacrée, c'est évidemment les questions de sacré, pourquoi pas. La vache sacrée, c'est aussi tout ce qui est un peu le côté de force. Donc, ils veulent en fait prendre de l'énergie, ils veulent affaiblir la force. La force de Indigo, par exemple, hein, donc baisser ses énergies, comme on dit, hein, lui affaiblir le moral. Impasse, mais parce que eux-mêmes vont mal dans leur vie, quoi, parce que eux-mêmes n'avancent pas. Voilà. Quelque part, ils sont dans une impasse, on avait vu la prison tout à l'heure, ils sont emprisonnés.
Ils sont emprisonnés, donc ils se servent un petit peu chez autrui pour aller mieux, quoi. La baguette. Et la lanterne. Ce sont des gens aussi qui croient que par magie, on peut éventuellement résoudre tous les problèmes. Et c'est vrai qu'Indigo, bah, elle est comme toutes les voyantes honnêtes, hein, c'est qu'à dire, elle voit ce qu'elle. Enfin, elle dit ce qu'elle voit. Et c'est vrai que bah, si ça ne plaît pas, on ne peut pas toujours dire ce qui fait plaisir. Sinon, ce n'est pas comme ça qu'on avance, hein. Donc c'est vrai que parfois, bah, c'est un peu désagréable, ou alors ça ne correspond pas à ce que nous-mêmes on pensait. Écoutez, c'est de la voyance, il faut l'accepter et il faut faire preuve de tolérance. Enfin, je parle pas pour vous, hein. Moi, j'ai de la chance, j'ai quand même une super communauté. Mais c'est vrai que, bon, je parle vraiment pour les haters. C'est vrai que dans le lot aussi, des gens qui regardent mes vidéos, peut-être même dans la communauté, il y a toujours des gens qui critiquent. Bah, écoutez, moi, ça m'atteint pas. Mais enfin, là, pour Indigo, c'est vrai que ça l'a beaucoup atteint. Donc, j'ai beaucoup de respect, d'estime, d'amitié pour Indigo. Donc voilà, petit clin d'œil pour elle. Franchement, voilà, elle est là à soutenir. Hein, on a tous nos jours avec et sans. Indigo, reste. Hein, continue tes vidéos. C'est pas grave si ça plaît pas. Tu as du talent. Tu as un vrai don. Bientôt, de toute façon, les gens vont avoir besoin de toi, de nous. Voilà, regardez ce qui vient de se retourner. Vous voyez, je rentre rien. Hein. Ça, c'est le troisième œil. Hein, vous voyez, les couleurs des chakras et tout. Voilà. C'est pour ça qu'il y a les deux doigts là, comme ça, qui montrent un petit peu le troisième œil qui est ici. Donc, c'est bien la voyance. Vous voyez, je parle d'indigo. Voilà ce que je sors. Donc, oui, c'est une personne magnifique, très sincère, très sensible. Et bah, la méchanceté, ça atteint, ça fait toujours mal, quoi. Mais bon, il faut laisser partir ça dans le vent et puis continuer parce que encore une fois, voilà, continuer, faire des petites vidéos au quotidien, considérer que c'est un moment convivial hein, pour chacun d'entre nous et puis passer à autre chose. Hein. Voilà, Indigo, si tu m'écoutes, je te fais vraiment une grosse bise. De toute façon, j'essaierai de te passer un petit coup de fil pour te remonter le moral. Regarde, belle carte aussi. Voilà, donc. Se relier à la terre, se relier au ciel et à la terre, rester ancré, continuer le chemin que tu as choisi. Ne t'en fais pas, de toute façon. Ressource-toi un petit peu dans la nature avec tes animaux. Ne t'en fais pas, de toute façon. Continue ton chemin. C'est vrai qu'on va vers des difficultés. Ben écoutez, c'est comme ça, hein. Mais il faut garder la joie. C'est important aussi de toujours continuer à passer des bons moments ensemble. Donc, je compte sur vous. Voilà, je vous fais une grosse bise à vous tous et vous toutes. Et puis, évidemment, bien sûr, à Indigo. À bientôt et bon dimanche. Au revoir.